Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Okay. Good. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille de Dieu. Alléluia. Bonsoir à nos familles de Portieu. Seigneur, les bénis, les contents, et nous aussi pareil. Alléluia. Un rendez-vous spécial avec le roi des rois. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Bienvenue spéciale à tous ceux qui l'ont pour la première fois. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous conduit à jusque-là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Gloire à Dieu pour tout mon habitué, tous ceux qui sont fidèles. Dieu récompense sa fidélité. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Laisse-nous placer un moment dans le Seigneur Jésus-Christ. À nous prier ensemble. Papa, dans le bon nom de Jésus-Christ, me louer ta morale, ta grâce, Seigneur, et ta merci. Privilège, la grâce, faveur que tu as accordée ce soir pour ta haute présence. Pour toi, Père éternel, une seule chose est nécessaire, d'être assis au pied du grand Saint-Esprit et recevoir de toi instruction, enseignement, exhortation, encouragement, même correction nécessaire. Mon Dieu, la gloire, Père éternel, c'est qu'à travers l'enseignement de tes paroles, nous pouvons grandir dans la foi, nous pouvons grandir dans la vérité, nous pouvons grandir dans l'amour pour ta présence, l'amour pour tes paroles. Merci Seigneur, mon Dieu, pour un rendez-vous spécial qui, toi, te fait organiser. Parce que cette œuvre divine de toi, c'est pour cela que nous pouvons progresser. Parce que cette œuvre divine de toi, c'est pour cela que te montrer toi-même réel à travers ma réponse qui te donne nous, à travers la bouche de ton serviteur, à travers ma délivrance qui t'a opérée, à travers ma guérison qui t'a opérée. Mon Dieu, ta grâce, Père éternel, qui te puissance, de majesté, il n'est pas qu'on aucune frontière. Alléluia. Donne d'immune la sagesse pour créer sa réseau là, afin que ta parole soit capable d'être prêchée, afin qu'il soit capable de continuer, guérir, délivrer mon d'immune. Mon Dieu, la gloire, Père éternel, de ce qui nous donne valeur ta présence, nous donne valeur ta parole. Jésus-Christ est dans la première place dans sa réunion là. Agir comme toi en vie. Faire comme toi en vie. Ce qui te fait, tu fais pour nous du bien. Seigneur, pour nous, nous approcher de toi, c'est nous bien, c'est nous l'eau. Même dans la gloire, Père éternel, tout là, ton réel. Ton réel parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour te dire qu'il a à nous purifier nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour de nous la victoire, le tout man principauté, le tout man démon. Et non, n'est pas capable de nuire à nous. À travers l'enseignement de ta parole, Seigneur, nous pouvons connaître la vérité et nous être affranchis, libérés de tout mal, libérés de tout esprit mauvais, libérés de tout esclavage. Mais si on ne pas pour quitter ça live, là, ne pas pour finir la réunion, ne pas pour terminer la réunion, pareil que moi, on a commencé. Mais ne pas pour terminer sans fortifier, encourager, délivrer et guérir. Parce qu'il nous fait tout quitteuse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, au-delà de nous, il donne valeur à Jésus-Christ. Il règne sur ses âmes.
Seigneur. Jésus Seigneur. La parole de Dieu. Voilà Jésus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bonsoir pasteur. Seigneur est bon. En tout temps. Un bienvenu spécial pour ceux qui sont connectés pour la première fois. Amen. Et aussi pour tous ceux qui avaient été connectés. Devant Dieu, écoute bien la parole de Dieu. Dis merci Seigneur. Maintenant, lisez pour tout clair. Maintenant, oreilles pour tendez. Maintenant, les cœurs pour croire. Maintenant, la main pour donner. Maintenant, les pieds zélés. Fais bonne bonne œuvre. Et Maurice si béni. Maintenant, aucun cyclone, aucun tsunami, aucun émeute, aucune crise économique. Ni social, un développement, la prospérité, parce qu'il est bon. Oui, je t'en remercie. Donne-moi de mon intelligence, on comprend. Donne-moi de mon lisier, retrouver. Mes oreilles, pour m'entendre. Mon équerre, pour croire. La main, pour donner. Merci Seigneur. À peine aucune puissance, pour garder-moi impatient, bien agité. Pour comprendre, et moi écoute la parole de Dieu attentivement. Pour résister Satan, au nom de Jésus. On vient t'en remercier. Au nom de Jésus-Christ, qui m'a donné sens, je t'ai éveillé, au cas senti, goûté, trouvé, tendé, et tous de présence. On vient t'en remercier. Te m'annonce. Qui l'a Seigneur. Amen. Ok. Alors, nous vous continuons nos messages aux leçons innocents, sauf qui il dans même, l'élan, mais il considère une conclusion, là, ce qu'il nous faut faire. Alors, nos textes, nous vous pensons, c'est, vous rappelez autres, comment Dieu te présente lui-même à Moïse, pour dire lui présente au peuple. Il entend Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Et la Bible montre que Moïse représente la vraie religion qui vient de Dieu. Comparé avec les autres religions, que tu n'as plaisir divinité. Alors, c'est Dieu pour dire. Et l'un seul vrai Dieu, et je pense qu'il y a un droit prostéen devant les autres dieux. Maintenant, quand nous considérons ce qui bon Dieu dit dans Jacques chapitre 2, verset 4, maintenant, ne nous pas prendre ça à la légère, parce que quand nous lisons l'histoire de l'Égypte, non seulement Dieu tient ce peuple depuis dans l'Égypte, mais dans Exode 12, verset 12, la Bible dit à qui bon Dieu, tu gises la divinité de l'Égypte là. Et tu punis la Bible montée.
et tout bon fléau qui s'est manifesté, qui s'est paraît naturel, et t'a adressé agressivement contre bon l'esprit mauvais, qui tu recevoir bon culte d'adoration derrière, qui dit de l'eau, qui dit bon zob, qui dit bon animaux. Vous trouvez? Bon. Maintenant, qui fait ça l'avertissement là? C'est parce que bon Dieu n'est pas voulu que personne partage place, qui vient totalement pour lui dans la vie. Par exemple, nous tous avons verset là-dedans, Deutéronome 16, verset 21. Il dit, tu n'as pas pour fixer aucun idole de bois à côté de l'autel qui te pour élever à l'Éternel ton Dieu. Alors, au départ, une bonne raison qui fait la Bible de nous, Jacques chapitre 4, verset 4, il dit, nous n'a pas content le monde parce que Dieu les chérit jalousement le Saint-Esprit de Dieu qui les fait habiter dans nous. Alors, qui la Bible dit nous? Moi, je t'explique, je te dis, vous arrêtez un bout de l'eau là. C'est que Dieu dit à nous comme ça, qu'il ne faudrait pas nous adopter le culte idolâtre, ben Israélite. Je t'ai adopté mon culte, qui je t'ai. Ben Dimoun, parmi lesquels je t'ai vivre. Par exemple, ben là, tu commences à adorer le soleil, la lune. Je t'ai adoré ben Istati, qui est représenté par mon ben Dimoun, représenté par mon statue humaine, ou bien un symbole. Ben Dieu mâle ou femelle, ou bien même je t'ai fait ban force de la nature, mais ban Dieu. Je t'ai adoré au divan, je t'ai adoré la pli, je t'ai adoré au pied. Et la Bible montre moi qui, Paul y dénonce comme en idolâtrie le culte ban faux Dieu. Et ni même condamne qui un enfant de Dieu n'y participe à ban fête païenne. Donc tout ça dans Galates 5, 20. 1 Corinthiens 6, 10 et 1 Corinthiens 17. La Bible même montre nous que l'amour de l'argent ou bien un démon hésiter pour donner, avoir pour donner, surtout dans l'œuvre de Dieu, évidemment que l'avarice, il y a une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi la superstition. Un acteur, un idole sportif, ou bien si on a trop l'autre opinion de nous. Alors, tous ces carabines avant Dieu dans où la vie, qui les travaillent, l'éducation, parents, mari, femme, c'est lui avant Dieu, une idolâtrie, parce que la Bible dit, on ça nous aimer de bon Dieu avant tout. Et quand même, ou médecin, lui vient une idole, ou sorcier, ou une l'estime exagérée, donc, il est tout pour, alors que c'est Dieu qui vient nous la chose. Bon. Maintenant, la Bible montre-moi que l'adoration, il a besoin d'être entièrement adoré à Dieu. Nous comptons nos familles, mais nous pas adorons nos familles, nous adorons bon Dieu. Nous comptons au travail, nous avons une passion par le travail, parce que nous comptons au travail là. Mais nous pas adorons au travail là, à tel point qu'il prend place de Dieu dans la vie. Pas bon. Alors, l'adoration du divin est entièrement réservée à Dieu. La gloire lui appartient à Dieu, qui vient parce que tout qui soit lui existe par Dieu et pour Dieu. Alors qu'au sein qui, l'idolâtrie, il y a pour une malédiction. Vous trouvez? Et puis, moi, tu montres les autres qui nous disent purifier nous disant. Il y a tout une malédiction héréditaire qui reçoit vous dans vos disant, dans vos générations, bien dans vos lignées. Alors, maintenant, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que la Bible vous montre moi dans Jacques chapitre 2, verset 2. Merci Seigneur, Jacques 2, verset 2. Et évidemment, comme ça, Abraham, il croit dans le bon Dieu, et ça finit d'être crédité de ce compte, et Abraham finit d'être appelé l'ami de Dieu. Maintenant, écoute-moi bien, il y a une affaire qui est intéressante. Je devais être la Bible dans. Il y a une principauté, une divinité de Yaman l'Alliance. La Bible n'a rien qui n'est créé au hasard dans la Bible. Je vais être la Bible dans, je vous dis tout ça, dans Juges chapitre 9,
verset 46. Je ne vais pas vous tout lire, vous prenez le récit de Zacharie. Là, démontrez-moi qui. Comment il est important, un kiken qui peut régner, bon Dieu n'a pas le lit, on a besoin de contrôle sur les générations pour qu'ils soient descendants, c'est lui, bon Dieu. Alors, donc nous veut causer, nous faisons briser une mauvaise alliance. Une alliance n'existe pas existe sans qu'il dise en verset. Parce que tout bonne alliance s'y fait avec 10 ans. Il est étonnant qu'il a mis pour site non un démon. Dans Jules, chapitre 8, verset 33. Il y a le temps Gédéon fin mort. Ben, enfant d'Israël fin récompense prostituer les autres avant Baal. Veut dire, je suis un plaisir, Dieu dans toute la vie, plaisir, Seigneur. Et là, ce qui est arrivé, peut-être jamais, c'est un achat ou l'attention. La visiblement se finit pour un démon. Baal Bérite pour ce Dieu. Le mot Baal Bérite veut dire le Seigneur de l'Alliance. Donc qui nous peut causer un peu de l'Alliance? Et pour il bien dire, il prend Baal Bérite pour ce Dieu, il tient une divinité. Et ça, il peut aussi confirmer dans Juges 9, 46, lorsque nous voulons là, tout un habitant de la tour, de Sichem fin rendu dans la forteresse de la maison, ou bien le temple, sa démon, qui s'appelle Bérite. Qui Baal Bérite était? Baal Bérite, c'est principauté. Principauté démoniaque. En dehors le vrai Dieu. Un démon. Et qui, au ban grand famille, il fait une alliance avec lui. Qui est dans la cour, qui est dans la mer, qui est dans le montagne, la forêt, le désert, cimetière, n'importe qui côté. C'est intéressant. C'est qu'il a bien monté, non? Je t'explique comment, dans nos générations, dans le passé, tous nos bonnes familles sont dans la nécromancie. Je t'ai fait service des mots, je t'ai invoqué bon mot pour qu'on l'avenir. Beaucoup de gens ne pas connaît qui. Directement, je suis impliqué dans l'alliance avec un démon qui s'appelle Baal Peor. Principauté liée à la franc-maçonnerie. Même Maurice, c'est dans ça. Pourquoi aller citer ce nom? Ce nom est tellement mal propre. Allez citer ce nom. Pour pas mal comprendre. Parce que là, le roman nous ouvert là-bas. Mais qui invitation, mon Dieu, peut faire, non? Je veux dire, j'ai deux points de contrôle. Daniel, lui-même, il nous vient de l'apôtre. Il nous vient de l'apôtre. Je trouvais. Mais qui invitation, mon Dieu, peut faire, non? Mon Dieu, on lui fait chacun de nous qui peut écouter ce message-là. Hein? Nous vient l'ancêtre. Un ancêtre qui dit paternel, maternel, c'est une sœur, l'ancêtre de toute bonne génération qui peut exister pendant et après ou l'existence, que Dieu, divine, l'ami intime de sa génération-là. Voilà ce qu'Abraham c'était. Parce que plus tard, au cours dans Ésaïe, et tant maintenant, tu peux implorer au bon Dieu. Maintenant, vous dites dans la prière, dans la prière, dans cette réponse. Je dis comme ça, souviens-toi qu'Abraham était ton ami. Bonne génération après. Fais une référence à l'amitié que Dieu tient avec Abraham. C'est l'amitié-là. Pour bon Dieu, capable de souvenir. Lis deux. C'est ça la clé-là. Il n'y a pas besoin de dépendre de mari ou femme. Beaucoup de femmes perdent leur mari pour une décision.
peut perdre du temps. Pour comment le mari perd une femme pour en décision, et entre temps, je vais la guerre, moi, sa technicien. Pourquoi qu'on est ça qui jette l'ennemi? On lui qui un an te l'aider pour une décision ferme, on dit bon, mon vie, moi, est un ancêtre, paternel ou maternel, bonne génération, que Dieu, il fait une alliance amicale avec toute bonne génération. Maintenant, ça, c'est mon désir. Et je comprends bien sa vision. C'est ça, c'est là qui a gagné dans l'église. Ouais, super sa vision. Là. C'est tout ça, Père, qu'ils ont ramassé. Là. Je connais bon Dieu. Bon. Maintenant, c'est où qu'ils amènent l'apôtre? Dieu qui vient de l'apôtre à travers Abraham pour des visites de génération. Là, ce qui est intéressant, c'est que la Bible qui avait ici, là, qu'il ne faudrait pas se faire une alliance avec les habitants du pays. Et la population lui cause bien, nous, là, concernant le mariage. Ouais. Le plan de Dieu pour nous, c'est qui? Le plan de Dieu pour nous, c'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il dit hein, dans Philippiens 2,15? Afin qu'ils soient irréprochables, purs, ben, les enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Écoute-moi bien. Si vous êtes identifié avec le monde, ben, vous le finissez. Et dans mon esprit mauvais, vous finissez comment se contrôle la vie. Mais la Bible montre nous qu'il nous peut vivre. Même dans l'auto moderne, l'habillement moderne, dans le bâtiment moderne, même dans la technologie, nous pouvons vivre dans une génération perverse et corrompue. Mais la Bible vient nous, en tant qu'un enfant de Dieu, nous supposer briller comme un flambeau dans le monde. Mais comment vous pouvez briller comme un flambeau dans le monde? Et la seule chose qui fait briller comme un flambeau dans le monde, c'est la sagesse de Dieu qui peut contrôler la vie. C'est ça qui te fait Salomon briller de moi. C'est ça qui te fait Joseph briller. C'est ça qui te fait David briller. C'est ça qui te fait Daniel briller. Est-ce que c'est au cas? Mon frère, ancien, ne pas pour qu'un sens de monde. C'est peut-être une sagesse supérieure qui le monde. Parce que c'est une sagesse supérieure qui te fait le roi Nebuchadnezzar, témoin et l'autre Daniel. Qui est en lui la sagesse des dieux vivants. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du moment qu'il vient recevoir la parole de Dieu, vous trouvez? Bon Dieu, c'est quoi, c'est qu'Abraham? Un man élément qui finit mettre Abraham à part. Génération à part, c'est la parole de Dieu qui bondit dans Abraham. Qui fait? Parce que dans Jean 17, Jésus-Christ vous dit, Seigneur, tu ne sanctifies pas. Le mot sanctifié, mais il met à part. Tu ne mets pas à part du milieu de sa génération d'antifida. Mais quand il met pas à part, Seigneur, sanctifie par toute vérité de la parole qui est la vérité. Maintenant, qui va arriver, c'est hein? Si moi, quelqu'un qui recevait la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité, Jean 14, Jean 8, 32, c'est ça qui est capable de nettoyer nos générations, nettoyer tout descendant, nettoyer tout descendance. Qui fait hein? Parce que souvent de fois, nous mal comprenons Jean chapitre 15. Je connais qu'un pied, il représente l'existence, il représente aussi génération. Je ne dis qu'on peut avoir juste, avoir des arbres, avoir des cèdres, avoir des oliviers. Quand nous lisons Jean 15, il y a dit la Bible dire, Jésus dit,
Je suis le cep. Et mon père le vigneron. Et il dit qu'il y prend soin d'une branche qui est connectée avec Jésus. Il a une branche là, il lit une branche là. Il purifie une branche là pour que je ne sois pas capable beaucoup la branche. Et là, il vous dit, verset 3, une parole qui montre les autres qui purifie les autres. D'après les autres qui fait Dieu, tu dis, tu es papa en Israël. Quand je te voyage, cause la parole de Dieu. Quand je te dans la case, cause la parole de Dieu. Quand je te aller à Jérusalem, cause la parole de Dieu en chemin qui vient. Parce qu'il y a une parole qui est pour causer là. Et sa parole là, c'est pour qu'on fasse un nettoyage dans la vie de nos enfants, qui représentent notre future génération. Qui est pour qu'on purifie les autres, pour que Dieu soit capable d'être satisfait avec un résultat qui vous gagne. Et à Roussem, toute cette génération-là bénit toi, moi, chacun parmi nous pour bien et n'a une communion vivante avec mon Dieu. Au fait, si ma vie, c'est bien le mot en anglais, c'est le thème et life giving fellowship. Tu n'as pas capable d'avoir une communion vivante ou bien vivifiante avec mon Dieu sans ce parole, parce que c'est ce parole qui donne la vie. Jean 6, 63. On veut dire, tu as besoin d'une communion vivante avec la parole de Dieu. Guide ça, écoute-moi bien. Nous, besoin d'adorer au bon Dieu. La Bible pas dit à nous, écoute, dis-moi une santé. Nous, besoin d'une la vie adoration. Dieu s'y est dans l'adorateur. Retrouvez. Mais, beaucoup de cantiques m'ont dit de moi. Il y en a beaucoup, je ne pas encore senti. Mais, écoutez une prédication si importante. Mais, ou bien, où est une communion vivante avec la parole de Dieu, côte, ou passe le temps avec bon Dieu, et vous laisse bon Dieu cause en haut. Et ta bon Dieu cause en haut, il peut monter où, qui besoin corriger dans la vie, modifier, changer. Et quand sa parole là peut mettre la foi dans tous les cœurs, quand tu es en présence, bon Dieu, une parole qui vous saute dans ta bouche, et vous communique la vie de Dieu dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Et là qui est arrivé, toute la vie n'est pas pour sans résultat. Qui fait? Parce que toute la vie n'est pas être vécue intimement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ vient la source. Tu vas en résister dans toute la vie. Qui fait parce qu'il au cas de l'église. Si vous êtes sincère, vous remarquez même, vous rendez témoignage. Même vous rendez témoignage, qui fait. À quoi l'on sur mon Dieu, vie, homme de Dieu, là, toujours. Oui. Mais c'est là pour nous vivre sa vision, là. C'est l'onction là qui peut produire un pire qui va n'appeler ramasser. C'est un équipe PL là représenté. Et puis représente PL là représente souffrance, sacrifice à pasteur. Il te paye aux yeux à toi. C'est la même la main financière. Un PL est produit par la souffrance. Bien. Bonne chance. Beaucoup m'ont dit que l'église, c'est une belle préparation. On va en église, on creuse en chemin. Mais, à cause de miséricorde, mon Dieu, la mis ça, homme de Dieu, là. Ce sacrifice. Ce sacrifice. Ce renoncement à beaucoup d'affaires. Sa souffrance qui est passée là, dans la prière, passée dans la parole, dans l'homme qui est versé, pour l'onction puis déborder. Ça va une pierre qui se peut avancer, une révélation, une richesse, une bon, tu sais, une guérison, une délivrance. C'est le résultat, la peine qui est passée dans la prison de Dieu. Un peu cause pour Bishop, un peu cause pour beaucoup d'hommes de Dieu qui
C'est mauvais esprit. Ouais. Je dis même, je peux dire une bonne affaire au pasteur Max. Un bon témoignage. Et là, mon réponse, c'était un petit ken. Il compte un travail pour le Seigneur. Et moi, je disais, pardon, sans hypocrisie, moi, j'ai un grand respect pour ce que pasteur là le fait. Vous trouvez, si peut-être beaucoup de gens ne pas respecter ce que je vais faire, mais moi, des gens qui sont sensibles, je vais te respecter. C'est ça la clé. Mais beaucoup de gens, je vais te ramener l'église. Mais c'est moi ce qui est arrivé. Beaucoup de gens chrétiens sont toujours indépendants. Je n'ai beaucoup de place que de bon Dieu pour nous donner permission. Je suis assez fait quelque chose qui a mis bon Dieu dans notre permission. Je suis la vie totalement indépendant. Je suis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons bon Dieu permission parce que quelque chose nous attend quand nous attendons. Je suis indépendant. Je n'ai pas vraiment gagné de février. Mais ce qui est arrivé, voilà le problème. Jésus-Christ dit comme ça, la vie n'est pas pour nous qu'un fruit, pas pour qu'un résultat, pas pour un progrès. Si nous pas intimement liés avec la vie de Jésus, parce que la vie de Jésus, c'est l'obéissance. Mais il n'y a pas un autre élément, pas l'obéissance à Dieu, qui a fait nous connecter comment vis-à-vis avec Jésus. Pas pour nous. Parce que Jésus-Christ, la source, ben le résultat dans la vie. Mais dis-moi, un chrétien est indépendant. Parce que écoute-moi bien là. Bon Dieu, tu bénis Ismaël. À cause d'Abraham. Mais il n'y a pas de fin de l'alliance avec Ismaël. Fin de l'alliance avec Isaac. Bon Dieu est capable de contacter comme un enfant de Dieu. Mais bon Dieu est capable de faire l'alliance avec le descendant qui fait. Parce qu'il te sait le port. À cause de Moïse, il manque un mot. Parce qu'il n'a pas encore fait ses concisions, ce garçon. C'est-à-dire que le garçon n'a pas dans l'alliance. Là. Et tous ceux qui sont dans l'alliance, là, je ne vois pas qu'il existe. C'est le mot. Parce qu'il y a l'alliance qui donne la vie. L'alliance qui s'excuse, nous fait parce que disant de la croix qui donne nous la vie. Alors, ça, quand nous prenons la Sainte-Seine, nous devons faire libre, nous devons prendre la Sainte-Seine, nous devons connaître ce que nous devons faire. Nous devons confesser notre privilège. Mais le problème, c'est qu'arrivé, c'est qui? Beaucoup de chrétiens vivent la vie indépendante de Dieu. Donne la dîme. Je donne la dîme parce qu'ils me dépendent de mon Dieu. Je donne les fonds, le fond, je me dépend de mon Dieu. Je prie, je me dépend de mon Dieu. Moi, la vie dépend de la vie séparée de Dieu. Non. Je dépend de mon Dieu. Mais c'est là qui est arrivé. Parce que beaucoup de chrétiens sont indépendants. Je la vie. Ils perdent sur l'utilité et sur l'importance. Et là, on a fini d'être mis de côté. Qui fait parce que je ne peux pas vivre dans la communion avec mon Dieu. Pour nous, quand vivre nous la vie en communion avec mon Dieu, c'est juste l'obéissance qui fait ça. Parce qu'il dit, si quelqu'un demeure en moi, il porte beaucoup, ben, fille, mais comment vous demeurez? Il dit, si mes paroles demeurent en Dieu. Il ne faut pas vous faire demeurer. Adam n'est pas capable de demeurer avec mon Dieu à cause des obéissances. Et puis, d'une autre façon, pour nous capables de demeurer en Dieu, pour beaucoup de fruits, sans l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est dépendance au bon Dieu. L'obéissance, c'est la foi dans ce parole. Pas une obéissance, un coup par là. C'est une obéissance active. Ouais. L'air là, parce qu'il y a une obéissance active, parce qu'il me demeure le bon Dieu, me dépend le bon Dieu. L'air là, qui est dans sa condition là, qui si je demeure en mon parole, demeure en Dieu, moi vraiment, je te la source. Je ne suis pas indépendant, je ne sais pas comment dire, bizarrement, jusqu'à un besoin de miracle, une guérison, une délivrance, sinon, personne ne peut pas dicter où. Même où tu as la voix bon Dieu, doucement dans le cœur, pas pour aller compte parce qu'une finie décide dans la tête pour faire ça, ça, ça. Et comment vous connaissez frère qui m'a préféré dire, bon, ben, on a la paix, bon Dieu, tout le cœur. Un témoignage, ça. Mais à cause de faire ça, vous voyez qu'il y avait. Parce qu'il existe dans sa condition là. Quand tu demeures dans ce parole de mes mentors, les là, les dire, demande ce qui te l'est, te peut être accordé. Parce qu'ils m'ont remarqué, moi. Est-ce qu'ils m'ont dit, parce que je fais une alliance avec Abraham? Je fais une alliance avec Abraham. Mais quand tu n'as pas agir, quand il y a une souffrance de peuple, et si tu as un gémissement, tu as un autre l'homme,
La Bible pour dire moi clairement, bon, j'ai rappelé sur l'alliance. Nous faisons de l'alliance avec mon Dieu. Mon Dieu nous fait de l'alliance à travers le sang Jésus pour nous. Mais beaucoup qui savent rentrer dans l'alliance. Hein. Parce qu'il est impossible de rentrer dans l'alliance en l'obéissance. Un quelqu'un qui vit dans la désobéissance, il prend une branche cassée, il n'a aucun fruit. Ça va veut dire qu'il n'est pas dans les cieux, il n'est pas dans les cieux, mais l'eau la terre. Il n'est pas pour profiter, n'est pas à cause de lui dire, voilà, manantil, l'intérêt pas pour capable de profiter du royaume de Dieu. C'est pas profiter. Et là qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé déjà. Ce qui est arrivé, c'est qui vous donne une révélation, le qui quand c'est bon Dieu contre lui. C'est qui vous donne une la foi solide pour faire Dieu confiance dans toutes circonstances. Pénal, l'autre élément apporte l'obéissance. Pénal. Parce que j'esquisse pour dire, il dit, demeure dans mon amour, comme on demeure dans l'amour du Père. Mais moi, je demeure dans l'amour du Père. Comme on obéit, bon, on dit, il est là, je demeure dans son amour. Pénal, l'autre façon. Et là aussi, ça, l'obéissance a besoin de grandir. Mais on pourrait dire, il n'est pas impossible pour l'amour, Jésus. Nourris mon équerre. Enlève tout la crainte, tout doute, toute incertitude. Il n'est pas impossible pour ça, l'amour-là. Nourris, alimente mon équerre. Alimente mon âme sans mon obéissance envers lui. Impossible. Parce qu'il obéit à lui. Parce qu'il me fait confiance. C'est ça qui me nourrit mon équerre avec ce l'amour. Il me renouvelle mon intelligence. Et il est là, la vie pour joyeuse. Pour la vie pour déborder de. Comment on appelle ça? De joie. De trouver. Alors, c'est maintenant beaucoup de paroles. Ben, dis-moi, je vais mettre en pratique. Depuis deux sacrés jours. La Bible dit à nous, soyez toujours joyeux. Dans, si dans des trois circonstances, si c'est dans des trois, pas pour toujours. La Bible dit, dans les bouts, qui circonstances, soyez toujours joyeux. Papa, tu me dis, vous allez louer mon Dieu par la foi, mais si vous obéissez à la parole de Dieu. Au bout de tout, la bonté de Dieu sur la joie vous déborder dans l'équerre. Et là aussi, l'obéissance a besoin grandi jusqu'à qui l'amour la vie sacrificielle. La Bible a pris grand bonheur qui te donne de la vie pour les autres. Parce que la majorité des chrétiens, je suis envie de connaître qui bon Dieu qu'a fait pour les autres. Ou bien parce que toujours là pour les autres. Si vous avez un petit baba, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas reste tout le monde la vie, petit baba. Causez d'eau. Maintenant, guette ça. La Bible montre-moi qu'il peine une autre façon. Peine une autre façon. Merci pour l'esprit de sagesse de révélation. Peine une autre façon. Pour te carvine ami de Dieu. Parce qu'il nous mange dans trace pas Abraham. Parce qu'il passe une autre façon pour qu'Abraham vienne ami de Dieu en dehors de l'obéissance. Peine. Parce qu'il obéit à mon Dieu. Et Jésus-Christ me dit dans Jean 15, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Hein? Jean 15, 14, 15, vous êtes mes amis si vous faites. Vous êtes mes amis si vous faites. Ou qu'à pas risque un enfant de Dieu. Ou qu'à risque un serviteur de Dieu. Mais ou qu'à pas être un ami de Dieu. Mais le problème. Le problème. Un maître. Un maître, il n'est pas capable de faire confiance à un enfant. Moi, papa, je connais, je me dis. Un maître, un patron, Dieu est un patron. Il n'est pas capable de faire confiance à un enfant. Il n'est pas capable de faire confiance à un serviteur qui fait parce qu'il est un enfant. Même papa là compte en enfant. Là. Papa là compte en serviteur, moi, ça sent une romaine là. Le problème, c'est qu'il est un enfant et qu'un serviteur, il n'est pas pour tout le temps comprendre qu'il patron là peut faire. Il y a un camarade pour comprendre. Parce qu'un camarade est beaucoup plus qu'un camarade et un confident. Mais imaginez qui dit toujours vous faire ça. Si Oupane décide pour amener la vie d'obéissance profonde, pour une génération bénie, pour être un confident de Dieu, voilà le problème. C'est qu'il y a beaucoup d'affaires bon Dieu, pas pour qu'à dire toi, concernant tes enfants, ta famille. Par exemple, bon Dieu, tu causes des cabanes concernant l'autre. Et qui considère la paix de la paix. Mais si
de procès que bon Dieu, par l'obéissance de la pousse. Si tu confies dans bon Dieu, pour qu'il y ait beaucoup de affaires qui apparaissent tes enfants, ou bien que moi, quand tes autres dans tout, ou bien que tes affaires arrivent au pays, tes affaires, bon Dieu, pour confier toi. Parce que si, si elle est de pas qu'on comprend ce qui bon Dieu, puis fait te pas tranquille, te l'équipe, par exemple, c'est parce qu'il t'en cours au niveau des enfants de Dieu, ou bien t'en cours au niveau des serviteurs. Donc, quand travaille pour mon Dieu, pour autant mon Dieu, travaille la nuit, toujours monter des ânes. Mais tu es dans une vraie communion avec mon Dieu. Que tu n'as pas vu, il y a une révélation, ce qui peut cacher dans la vie. Maintenant, toute la gloire pour mon Dieu, je te témoin. Quand du monde tombé, en bas sous l'onction, il y a une vision, mais au fini, il connaît qui vision il peut gagner. Et mon Dieu, ça pique, dis-moi, avant du monde l'a levé. Qui fait parce que mon Dieu l'éveille, non? Dans les cœurs, ça dit mon là, la semaine finie tracée. Mais qui vous fait, vous continuez dans l'amour, l'amitié avec le monde? Mon camarade content, tam tam. On va même connaître combien l'année pour vivre, quand tu peux aller, qui peut arriver aux familles, ou pas qu'il y ait une révélation. On va même être averti. C'est ça le problème. Bon Dieu, il y a beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup de serviteurs, mais il y a beaucoup d'amis. Dix ans, tu te poses sur la tête, l'eau de qui est Jésus. Et parce qu'il peut être, tu connais, je t'intime, dit 10 ans, mais l'autre saint peut causer. Il ne peut pas comprendre, il peut causer. Il ne peut pas comprendre. Alors, j'aime quand tu te joins des enfants, bien de s'éviter. Là, tu peux te connaître, qui parle de l'autre là-là. C'est ça, nous qui parle de l'autre. Mais tu as fait pire. Si mon vie, là, ça m'a retourné, je comprends. Mais c'est à niveau là, je suis content. Parce que c'est un bon Dieu. C'est un bien, c'est un bien important qu'il dit. Nous causons par révélation, nous causons l'équipe. Mais pas nous, nous faibles. Et ça, là, qui est en vie. Tout le monde, les autres prophètes, tu as envie d'être bonne serviteur. Bonnes aînés, bonnes enfants, Élisée. Mais non, Élie. Mais Élisée, j'ai envie d'être confident, Élie. Mais pour être un confident, pour ça transférer dans toute la vie, c'est très important. Il est profond, ça, dans le monde. Un maître dit vous faire confiance. Juste ce serviteur. Parce que mon grappin ou l'exemple, je veux dire, à cause d'Abraham, Dieu est amical. Tu remplis d'amitié pour sa génération à cause d'Abraham. Mais bon Dieu, pour toute génération, bien, à cause de l'amitié en tant que bon Dieu, parce qu'il fait de l'alliance avec lui. Tout content, lui. Tout content, tout bien intéressé, lui, qu'il le tout, la case, la terre. Donc, au besoin des autres que j'entends de la part de Dieu. On va dire qu'il faut des peines à passer, bon, moment bien. Bon Dieu, pas pour révéler toi tout, mais de quoi bon Dieu va bien révéler toi telle affaire, telle famille qui vous a fait. Bon Dieu, il est concerné, monsieur. Bon Dieu, tu coupes toute l'amitié avec Élie, le sacrificateur. Et bon Dieu, même si tu as des enfants disponibles, même si tu as des enfants, bon Dieu, pour autre. Créer de l'amitié entre les enfants. Moi, je vais Samuel, là. Moi, j'ai besoin de questions. Combien de fois vous sentiez où tu sais où? Et quand vous sentiez où tu sais où l'équerre roule et qu'il dans qui vous mettez tout confiance. Parfois, il n'y a pas aux maris, il n'y a pas aux femmes, il n'y a pas aux enfants. Il n'y a pas même un camarade qui a habité à l'église en Saint-Maurou. Ou d'un qui ken, en qui vous capable de porter à ce fardeau et vous connaissez du monde à écouter. Et combien de fois, parfois, vous faites confier où ou une porte à ce fardeau et vous dit moun. Et ça m'a dit moun, je suis juste intérieur sur ce bien. Ou bien ça m'a dit moun, pas de mire. Je suis immature. Ou bien je ne servis les fêtes de nouvelles ou les cœurs, je toujours mon respect pour vous. Ou bien maintenant, je servis juste pour augmenter. Je. Quand je. Mon état.
Moi, il y a des gens qui ont envie que moi bien pour dire augmenter ce propre self-esteem, je peux comprendre. Mais le Saint-Esprit en vient à l'amitié avec nous, le Seigneur. Il a envie de révéler nous, c'est que le Père, il a envie de révéler nous. C'est là que. Mais j'excuse bien, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et bon Dieu, on lui fait un peu, ma sœur. Alors, qui base Dieu t'a servi. Dieu t'a servi comme base sur l'amitié qu'Abraham, sur l'obéissance. Ce n'est pas comme ça. Et je vois qu'il est arrivé après 400 années qu'Abraham est mort. La Bible dit moi, Dieu t'a intervenu. Parce que tu fais un vœu qu'Abraham. Et que David t'y pareil. Après 400 années. Alors, c'est même qui promet parole qui lui dit Diamo toujours la même. Promet parole qui, bon Dieu, vous dit à Moïse bon Dieu, ton papa, Abraham, Isaac, Jacob, qui fait de génération en génération, bon le Dieu de tes générations. Et parce qu'il est le Dieu de tes générations, mon rôle est un petit dans sa génération-là et qui m'a communiqué pour toutes les régénérations-là. Il fait pareil pour toi. Un jour, tu es pas là avec Jésus. Bon Dieu, vous servez tes enfants, notre kiken pour continuer, parce que bon Dieu, il trouve il est fidèle, ça, bon Dieu. Là. Bon Dieu, extra fidèle, ça, mon frère. Ça. Et tu causes pareil pour David, fin de l'alliance avec David. Et bien, vous mettez mon garçon sur le trône, mais si je te fends de dalle, vous corrigez, vous mais vous corrigez. Bon Dieu, vous corrigez de mes enfants. Rien de l'amitié pour toi. Mais il n'y a pas pour avoir un toi. Ou bien, l'intention, c'est qu'on finit mot. Il n'y a personne qui restait pour continuer la soif que tu as pour mon Dieu. Ou ça, quand on teigne, tout teigne. Mais la clé là. Et la Bible montre moi parce que bon Dieu, nos générations, il y a une amitié avec nous, il trouve toute souffrance de nos enfants. Il pour toutes autres souffrances et pour tant d'autres cris. Des côtes de douleur. Et bon Dieu va pour les autres comme ça. Et par exemple, tu as voué Moïse vers mon descendant, Abraham. Bon Dieu va voir tout le temps qui ken, le cimetière de mes enfants, enfants, tous enfants, pour tes autres dans tout le monde. Elle l'a mis pour ça, Jésus. Alléluia. Il y a que ça. Il y a qui le dit. Maintenant, tu connais comment l'Éternel, je suis. Il dit non. Voilà comment je vous connais de génération en génération pour tout, pour l'éternité. C'est pour moi que Jéhovah, le Dieu de l'Alliance, qui me fait de l'Alliance avec cette génération. Et qui l'Alliance, jamais moi pour abandonner Dieu, jamais moi pour délaisser. Voilà. S'il fallait moi pour corriger toi, je pour laisser toi tomber. Amen. Une maman qui a oublié les enfants de bord, je pas qu'à oublier toi. Mais cousin, Jésus-Christ, c'est qui s'en a. C'est Dieu, l'un de l'écho humain. qui vient passer temps avec ce mandat de autres, parce qu'ils ont envie de craindre l'amitié avec eux. Et ils disent, les autres, mon camarade, ce que tu as dit. C'est ça là qu'il a. Mais, pour capable et l'amitié établir, la parole de Dieu, parole, mon Dieu, impossible. Il y a six ans. Mais il y a la foi dans la parole là, il y a l'amour pour la parole là. C'est ça qui est arrivé. Alors, c'est un peu Abraham. C'était obéir, circoncis avant des enfants. Ce devoir de la dîme, au sacrificateur Melchizedek. Alors, c'est un bon Dieu pour dire. Il dit est-ce qu'il m'a pour casser Abraham qui m'a offert? Il m'a pour casser Abraham. Il n'est pas pour casser. Mais Abraham, tu as dit qu'il m'a une affaire avec ce demi gomo. Il n'est pas pour affaire ça. Non. Il vous fait dire qu'on est si il n'est plus une nation. Si pas un malheur ou une nation, c'est pas besoin de prier. Il vous fait dire qu'on est si un de famille passe dans du fil. Il n'est pas pour qui fait les fidèles.
Mais bon, on est fait avoir quelque chose en Dieu. Et on a tout avec mon Dieu. On a sauté danser pendant un moment, après tu t'aimes. Abraham, c'était le confident de Dieu, Genèse 18, 17. Il dit, est-ce qu'il m'a connu qui est Abraham? Est-ce qu'il m'a caché d'Abraham? Est-ce qu'il m'a caché d'Abraham, c'est qu'il m'a fait Sodome et Gomorre? Et il y a souvent des enfants, famille là-bas. Il m'a caché d'autres. Il dit, à mon soeur, Abraham, parce qu'il m'a connu qui est Abraham, il pensait que je suis descendant pour respecter moi. Pour ça, continue la génération là. Mais Abraham, il s'est fait un vœu à Dieu qu'il n'y pas de payer pour donner tout ce qu'il y a dans ce pauvre garçon. Alors, est-ce qu'il nous a ce qu'on appelle sa allégeance là? Est-ce qu'il nous a sa fidélité là? Abraham, il a beaucoup de richesses. Mais Abraham pas aligné même avec une vallée qui le monde appelle vallée. Pour lui, plus grand vallée qui c'est Abraham. Les grands valets, c'est bon Dieu. Ça qui nous trésor. Alors, c'est sa parabole, Père là. Un qui a un père de Rodine, un père de grand valet, vend tout, parce que c'est sa Père là. Souvent, nous expliquer qui sa Père là, c'est un âme qui est dans valet. Mais il y a des côtés, ça. Sa Père là aussi, c'est un qui a un qui est tellement rodé, mal qui soit dans le monde, et en a découvert Jésus, et qui est tout pour Jésus. C'est mon cas pour la grâce de Dieu. Non, pas entièrement, puisque Jésus. Amen, amen, amen. Oh, étonné, mon frère. La deuxième qui, comment on peut en baptême? On peut en baptême, est-ce qu'il de l'eau, j'arrête de couler, goutte d'eau? Hein? Nous sommes pour en baptême parce qu'on peut décider de faire de l'alliance avec mon Dieu. Et abandonne tout mon idole qui n'a pas existé dans la vie. Mais de bon Dieu avant. Parce que à bon Dieu qui Abraham, il ne se l'équipe bon Dieu. Bon Dieu tient en vie et il vous dit ça à travers. Il vous dit ça. Il vous dit ça à travers Moïse. Dieu envie qu'il est tout seul être connu comme le seul vrai Dieu. De mon ancêtre et mon descendant. Il n'y a pas ça, le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui fait l'île de là, il va mettre un point. Au besoin de ton nom là-dedans. Il parle de ça, toi là. Que tu viens le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Le Dieu de Samuel, le Dieu de David, et pas David, le Dieu de Saül, mais le Dieu de David, à un moment, le Dieu de Salomon, etc., de lui-même. Et bien, le Dieu de Joseph, du Nouveau Testament, de Pierre, de Jean, et bien, le Dieu. On vous a pris une décision. C'est qui m'obéit Jésus, t'as dit profond actuellement. Maintenant, elle a jamais pour manque témoignage dans la vie. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire là? Bon. Alors, nous sommes 8. Comment nous pouvons connaître les causes de nos générations? C'est nous en disons les autres versets de la Bible. Somme 8. Dans les bécoles de bons enfants, oyez, tes enfants Abraham là. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, les enfants, ceux qui sont à la mamelle, c'est mon petit baba, te font de la gloire pour confondre mon adversaire, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Ça veut dire, l'ennemi pas pour consigne cause en cause dans ta génération, fini. Sur la bouche, teigne. Imposer silence. Et n'a plus aucune puissance démoniaque pour qu'il y ait autre vengée.
Parce que Dieu est unique Dieu. Et si vous ne comprenez pas, nous avons besoin de lire dans Psaume 45, verset 16, pour montrer qui nos bonnes affaires besoin de remplacer nous. Plus tard, on va dire continue ce que nous pouvons faire. Mais il dit dans Psaume 45, verset 16, tu as des enfants pour prendre la place des autres parents et pour établir les autres princes dans tout le pays pour régner dans la vie. Et la Bible montre-moi qui, quand bon Dieu pour contrôler de la vie, tu enseignes tes enfants, contrôle tes enfants, et tu peux donner telle abondance que tout ce qui emplit ton guitare devant 10 enfants. Somme 17, verset 14. Hein? Pas fini? Somme 115, verset 14. Dieu non seulement pour multiplier toi sur ma faveur, mais à tous mes enfants, les enfants sur les enfants. Mais qui nous a fait? À cause de ça même, n'a pas perdu le temps. Quand il arrive là pour manger, assis devant la télévision, get film, personne m'a rendu grâce. Avec moi, fini get film. Un dé qui pressait pour aller, a dormi, le temps que le film n'a pas fini, pas qu'il y a un sommeil, le sofa, n'est pas levé, n'est pas allé. Pendant le temps, on a une grâce à manger. Même quand on mange, qui fait pas raconter, bonne mère, il nous fait tout un témoignage. Est-ce qu'il y a un témoignage? On a un témoignage, c'est une madame qui. Il y a des sens. Ça, phénoménal, ça t'a. Phénoménal, ça. Il y a une descente d'hôpital. Mais écoute, déjà avec moi, obéir mon Dieu. Observe-moi, éloigne-moi de toute ma mauvaise fréquentation. Observe-moi, consacrer-moi à Dieu. Ce parole tout seul, pour qu'à sanctifier mes générations. Pour l'obéissance, pour prendre l'amitié solide. Mais, au besoin de dire ce que mon Dieu fait dans la vie, dans la case, et en dehors pour tout que tu aller. Nous voyons tout ça dans Psaume 78, verset 3. Il y a ce qui nous tendait, ce qui nous connaît, ce qui nous bat par en raconter. Ne pas vous cacher de ça aux autres enfants. Ne vous dire à la génération future ce que Dieu fait, sa puissance, et va produire nos pays. Il vient établir un témoignage en Jacob. Il met la loi en Israël. J'ai avec moi la loi. Qui la loi? Il ordonne à m'annoncer pour enseigner aux autres enfants. Pour que les autres enfants enseignent ça à les autres générations. Pour les enfants qui bounent. Et qui, quand je deviens grand, je cause ça à les autres enfants. Et qui je mettent durant toutes les générations, je confiance dans mon Dieu. Et je ne pas oublier ce bonheur. Et je observe ce parole. Vous avez trouvé? Après, je ne sais pas comment les autres grandes familles qui sont idolâtres, rebelles et qui mourent, vous êtes des suivants fidèles. Je veux dire, quand tu obéis à mon Dieu, toi, tu peux appartenir personnellement à Dieu. Personnellement à Dieu. Tu ne peux pas appartenir à ma maladie héréditaire, à ma démon. À ma défaite qui te fait amitié. Mais bon Dieu, mais nous t'en avons pas. On prend une décision. Tu as besoin de prendre une décision. Dis-moi, on peut comprendre. Alors, la Bible dit moi, dans Genèse 9, verset 15, Dieu dit moi, pour rappeler mon alliance entre moi et Dieu. 17, 7, on peut établir mon alliance. Exode 19, 5, et dit, si je t'écoute mon alliance, je garde mon alliance. Et dans cette façon, je vais savoir l'obéissance. Mon frère, ce qui bon Dieu m'a fait. Quand mon frère, ça veut dire, je ne peux pas appartenir à moi. Il est là, parce qu'il nous appartient à Dieu, qui sont quand on est venu réel pour nous. Il n'est pas pour les autres du monde dans le monde. Ça. Non. Quand mon frère, Dieu vient mon bon Dieu, mon frère, il vient mon rocher, là, mon forteresse, mon appui, mon la source. Ça qui est arrivé. Mais où vous avez pris une décision pour être ancêtre, pour une génération qui vont garder béni pour l'éternité. Alors, il peut dire, t'as pas tant, quand mon mari changeait, quand ma femme changeait, mais il n'y a pas besoin.
tu veux te faire finir changer. Pareil, s'il n'est pas envie de manger, t'es pas bon, Jeb, et quand il mange, moi mange. Écoute ça. Vous êtes la même manche, frère Mansé. Amen. C'est important. Au point de décision où? Point de décision où? Mon Dieu, qu'on donne la grâce pour qu'on prenne une décision là. Je ne vais pas guetter l'autre, je ne vais pas guetter ce qui fait, il n'y a pas mort ce qu'on m'a besoin. Qui fait quand j'ai dit prier, pas prier, ça m'a petit là, besoin, prier un par un, non? Commence par toi. Commence par toi. Ah, c'est un mot là. Mon but de servir moi, quoi une connexion avec toi. Pour mettre tout ma idéologie dans la vie. Pour consacrer moi à ta parole. Et cette parole sanctifie-moi, guéris mes générations. Possède-moi, mon la vie influence dans le monde. Dans ta génération, du monde, vous dépêche, moi, je ne pas de cause, moi, une cause. Maintenant, du monde, quand je témoignage, l'eau, quand je peux get live, je peux tout le monde, c'est phénoménal. Il y a une grâce qui, mon Dieu, peut faire, je peux tout ça. Nous, nous ne connaissons pas la grâce de Dieu, il est comme ça. On connaît. Bon. Mais nous passer, ça, Jésus, là, nous, vient en cours, nous passer. Au point de décision. Vous êtes dégoûté, vous êtes plein. Et qu'il y a la vie, moi, dire, monotone, une vie routine, une vie égoïste. Une vie qui met la faya en dehors du Seigneur. On vient dire en dehors du Seigneur. Ou pour reprendre, c'est que moi, je dis aux autres là. Moi, je dis aux il y a beaucoup plus assister à un conseil, c'est pas une prédication. Il y a beaucoup plus que ça. C'est toute la vie, il y a un sacrifice. Tu as envie d'être le confident de Dieu. Bon, je commence à révéler toi. Ma question concernant ton pays. Je commence pas à révéler toi pour ton pays, pas pour les autres pays avant. Hein? Si bon, Dieu t'es comme ça, tu es infidèle dans toute la case avant. Je ne te comprends pas. Et bon, Dieu, pourquoi commence pas ça? Et bon, Dieu, pour ça, pour intercéder dans la question qui, bon, Dieu, vous dit toi. Pas tout le question de vous dire tout de suite, mais tu es venu un confident de Dieu parce que tu commences à comprendre qui, bon, Dieu, veut faire, dans quelle direction les pays. Tu n'as pas besoin des enfants. Qui pas comprend. C'est des enfants. Vous avez mis des enfants. Comment des enfants qui ont fait ces lignes, vous ne comprenez pas. Ils ne pas connaître qui fait un dimon tomber sous l'onction. Ils ne pas connaître qui fait un dimon rier. Ils critiquent ça. Vous avez compris? Mais ils ne pas comprendre qui m'ont dit, mais t'es un enfant, t'as. T'es pas qu'à diriger des enfants. Un dimon tombé sous l'onction, il y a une vision pendant longtemps. Il ne pas comprendre qui fait un dimon à longtemps. Laisse-le. Je vais te parler de des gens qui sont sous anesthésie dans la salle de l'opération là-bas. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de s'éviter. Parce qu'ils sont contents de travailler pour Jésus. Tout réunion de prière pour lui le matin. On a envie de rester au lit. Quoi, quand il fait ça, bon, j'ai pas content. Il n'est pas bon, il n'est pas vrai. Il y a un esprit religieux. Mais il n'est pas content. Là, il est arrivé. Dans les buffets, beaucoup qui sont pour le Seigneur. On ne peut pas se faire pécher en même temps parce qu'il ne peut pas comprendre ce que mon Dieu peut faire. Il a la guerre contre l'œuvre de Dieu. Il va trouver l'influence. Et il n'est pas pour être de moi qu'il a une parole qui est tendue là. Vous sentez que vous êtes saoulé sous l'onction là-bas. Vous saoulez, la tête est virée. Un bon face qui fait. Mon Dieu, ça vous désintègre. Vous prenez de tracas. Vous prenez de l'inquiétude. Prends de bon dos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors constamment lié à une puissance démoniaque qui a tout le temps contrôle de génération. Brise l'emprise de ma famille. Laisse bon Dieu délivrer les autres. Laisse bon Dieu délivrer les autres. Dieu est fidèle, il est bon, il est bon, il est bon, il est fidèle, il est bon. Je connais bon Dieu dans sa bonté là. J'ai monté où sa parole là vient de lui. Vous pouvez sentir une salée et envahir où les quoi là. À ce là, 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 vous pouvez sentir une gifée de haut. Une gifée. Sa présence, moi, une gifée. C'est manifesté lui à Moïse, une gifée.
qui répondent par le feu pour Élie. Il y a le feu dévorant. Ils répondent par le feu avec des apôtres. Nous bon Dieu, nous bon Dieu différent. Zakaras takaram antakaran tokoroso. Yo toi papou ta caché kata. Sukuru patara patira patar mugurungu. Prokusak. Usana makanta sapan kata sapan kata gazimo. Lève-vous la main, adore le Seigneur, c'est visite-vous. Vous pouvez sentir comme un manteau l'eau. Vous sentir comme un manteau de l'huile aux épaules. C'est parce que mon Dieu veut renouveler son onction dans toute la vie. Un nouveau onction dans ton ministère. Ou ça, kata, 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 moro, gorongoro. Moi, j'ai une parole pour un kiken là. Je ne vais pas m'exagérer. Je ne vais pas qu'à cause mentir. Vous pouvez sentir un diffé. C'est Patricia. Parce que tous les quais ouverts. Nous, on veut causer que c'est Patricia Henri. Parce que tous les quais ouverts, monsieur. C'était la même. Point de renouvellement. À partir d'aujourd'hui, que vous sentiez une autre dimension quand vous pouvez causer la parole de Dieu. Où chacara bacana, soto. Tu peux sentir diffé dans tous les quais. C'est tout l'autre, les pieds. Je te pose la même dit, vous pourrez sentir courant dans votre micro. Prends sa dose à mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, un homme de Dieu qui trouve le surnaturel. Pas histoire. Puis il y a du monde dans différents la case. Avec une nouvelle dose. C'est aussi dans nos ministères. Parce qu'ils sont fidèles, ou connectés, ou soif. Recevoir sa nouvelle dimension-là. Jésus qui donne ça, les Seigneurs qui donnent ça. Prends. Prends au nom de Jésus-Christ. Si vous violent, vous dites, me prends. Dis, me prends. Vous donnez quelqu'un tomber, puis rouler, puis rire. Mon Dieu fait ce qu'il a envie. Sa ministère là pour dire, c'est pas pour moi ça. À cause de l'hypothèse, à cause de mon auditeur, mon témoignage multiplié. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Prends une bonne dose, prends une bonne dose. Tout le monde peut sentir différent aux autres, mais là. Ouh, là. Seigneur, te venge. Dix autres générations, Satan. Ouh, katana, masantana, branda. Ça, les six bandes du monde qui soif. Bon Dieu, nous bandes du monde qui soif. L'invitation est pour ceux qui soif. Qui dégoûte qu'elle a mis monotone, routine. Oh, chakarakarakaraka. Développement dans ton ministère, dans ton travail. Ouh, chana mamazama, zomo. Écoute ça, guette ça. Vous sentez une vague d'effet là. Ouh, chalala. Vous sentez une vague d'effet là. C'est toi qui donne ça, Seigneur, c'est pas moi. Merci pour ton annonce qui peut agir, pour ton annonce qui peut agir. Merci pour ton annonce qui peut être tout seul. Vous sentez ma annonce, mais tout seul, ma annonce de feu, mais tout seul dans vos épaules. Vous sentez un ami tout seul dans vos épaules. Allez, il enlève ton fardeau. Et il peut communiquer. Qui fait une bouche, c'est pour nous vous dire là. Il peut enlever ton fardeau, il peut communiquer au toi. Le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Je vous tellement un fardeau, vous gagnez 10 mal en dedans. Un bon 10 mal, c'est moi, un bon dimal. Un bon dimal. Vous connaissez la main de Kiken, je ne sentis pas le droit de voir tous ces épaules là. Prends, c'est un Kiken agressif, prends, recevoir. Jésus, donne-toi-lui. Alléluia, man frère, man sœur. Et n'en laissez le grand ouvert. Quand tu as écouté, laissez l'ouvert l'autre la vie. Tu as une vision malgré une chose qui vient de Dieu. Tu es même en bonne santé. Alléluia. Mais tu as besoin de connexion, de connecter. Ça, c'est la clé. L'esprit est là, débordé, mon Seigneur. Prends mon dose. Salala, kololo, kosokoro, chakala. Tu es bon? Fais ce qui te dit. Sanctifie nos générations. Diffé. Souffle nettoyé, chasse balbérite début de notre génération.
Renouvellement, l'onction, renouvellement, l'onction, renouvellement. Renouvellement dans le ministère, renouvellement. Te vous tout avez les bonheurs. Deuxième du matin, tout sommes un peu cassé de prétiger. Te vous qu'on répond à l'appel de Dieu. Parce que bien tant tout seul. Alléluia, 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 alléluia. Broca sanama, loulou, le compte de l'eau, le compte de la blague. Un qui vient de rébaptiser nous, guérit là. Salaire dans ton genou, ton genou peut guérir. Oh, tes genoux, tu es enflé. Les yeux là, tu parais de point, tu es enflé, tu es tout normal. Tu sens, tu te plains, tu peux brider, disparaître. Chasse à l'esprit religieux. Là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yakata, yakata, mako, toi, 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 bon, mon gars, ma maman. Mais je debout les yeux de la main là-haut. Dieu Seigneur, mon dégoûté, quelle la vie monotone. Renouvelle-moi. Saisis-moi. Fais ton œuvre. Au nom de Jésus. Viens me recevoir. Recevoir au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Ton nom. C'est une onction qui coule, papa. Jésus. 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 Ton nom. C'est une onction. Démon sauvé là, qui coule Jésus. Ton nom, sais-tu, l'onction qui coule. Diffé là. Double diffé là encore. Salalala ya karaba. Chasse tout bande sorcier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombé dégringolé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout bande serpent, mais sauvé. Sauvez les mains de serpent noir, vilain. Mon moquement du méchant au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa Dieu, Jésus. Alléluia. Rapanta, 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 rapanta. Dans nom Jésus, dans nom Jésus. Les yeux de la mère adorent le Seigneur. Adorent-lui, adorent-lui. Pas dit mani, non, il est adorent-lui. Yamba mama yamba mayom bobo. Yanana soyo toyo toyo tamama lulangano. Yamama zum pampa utakiri pantarai. Rakatulu kukurumuku. Oreilles déboussées. Oreilles déboussées. Les cailles tombées. Mon commandant vision, mon rêve. Tant la voix, mon Dieu. La pluie me tombe le haut. La pluie du feu, la pluie de l'huile. La pluie de l'eau. Yakata, yakata. Oh yo yo. Ya ya oh. Imama oulala, Seigneur de bon. Shakata kapa, kurobo solu kunda. Merci, papa. Non, te plie grand, te plie important, m'adou toi. Tous hommes qui formaient contre nous renverser. Chasse tous ceux qui dispersaient. Ma compétition, rivalité, jalousie, animosité. Oh, je te démon qui jette les pieds, l'esprit de désobéissance, rébellion. Chasse ton nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Nous renonçons. Comment l'alliance. Ma démon, Balbérite, ma démon l'amour, nécromancie, sorcellerie, ma démon, maladie, complication. Toutes nos générations, sauvez-les, au nom de Jésus, ouvrez les églises de chez les autres, libérez-les les pieds, commandez-les, m'appelez-les, vive vers Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je me rappelle les autres qui nous passent un bon moment dans nos bonnes réunions tous les jeudis soirs. On arrive 10h du soir, du monde pas bien de la case. Présence bon Dieu, bon. Pas senti le temps passer. Même parfois nous prêcher pendant une heure 40 minutes.
Et nous passons des heures prier pour chaque dimanche. La gloire pour Jésus, entre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vas-y, j'y fais dans tous les pieds. Moi, tu t'as fait sauter, puis galoper, puis danser dans toute la salle là-bas. Là. Oh Seigneur, tout bon. On te demande oreilles déboussées. Dans l'esprit serpent qui te oreilles. On te demande l'hygiène guérie. On te demande l'inflammation de la gorge disparaît. On te problème irisé, finalement, grossier dans une scène disparaît. On te demande Zénou de restaurer. Si tu te dis l'esprit malédiction. On te demande les pieds guéris. On te demande qui peut assiser, qui n'a pas qu'à lever, moi aussi. Écoute-moi bien, mon frère, mon sœur. Lève-moi aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, te fais une action. La vie, mon Dieu, pour rentrer dans tes lieux et te pour moi aussi. Pour rendre tes témoignages. Mais ne pas honte pour dire ce que Jésus nous fait. Mais ne nous raconte, nous, mes enfants, ce qu'il fait. Nous publier ce merveille. Le monde lui raconte problème dans le monde entier. Nous raconte ce qu'il monte vers, qu'il fait. Parce que Jésus vivant, Jésus réel. Moi, j'ai quelqu'un qui a un problème hémorroïde, il me guérit. Oh, il y a un nene qui s'est boussé, il s'est boussé. Il y a pas un capan tarabanzo, koto lo koso la garanda. Ah, il y a katana masoko, il doko lo. Oh, tu as une grosse scène disparaît dans les oreilles. Grosse scène disparaît. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Une grosse scène, c'est un 10 piles avant. Une clope, ça aussi disparaît. Et 10 piles, une cassée, c'était là. Et puis sorti. Bon Dieu, mais désinfecte-toi. Moi, tu as la langue, il guérit, tu es enflammé. Ouais. Ou même les dents, il guérit. Un démon qui te perd du goût dans la bouche. Sur la bouche, sur la langue, il guérit. Alléluia. Soukoura manakana mansa kanta 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 la bala golo lo gondo. Yaka 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 yaka. Bien Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Tu demandes démon. Que tu contrôles nos générations. Quitte-nous d'aller. Mon délivré. De un mauvais héritage. Tu demandes démon. L'amour. Dette. Maladie. Manquement. Problème l'équerre. L'asthmatique. Pneumonie. Pneumonie. Dispute. Mot bonheur. Diabète tension. Magie. Magie, rébellion, conflit. Allez au nom de Jésus. Paris tout encore. Qu'il saute les pieds des mots. Esprit vagabondage. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Bénis saute les pieds, Seigneur. Permis de pasteur, amen pour. Fais saute les pieds de la prière, ceux qui pensent que nous pieds, Jésus. Si pasteur, amen encore, passe. Et toujours. Pas vous donner comment c'est hier, hein? Merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Dieu Père invite toi ce soir pour rendre ça l'alliance là. Gloire à Dieu, merci Jésus. J'ai envie de te donner ce. J'ai envie de te donner tous les pierres. Gloire à Dieu, merci Jésus. Donne tous les pierres. Gloire à Dieu, merci Jésus. Yes. Alléluia. Ok. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, merci Jésus. Jésus bon. Alléluia. Jésus bon. Jésus bon. Ok. Si première fois tu es là, première fois tu entends parole de Jésus-Christ, mets-toi à mettre de l'équipe, fais-moi te liser. Et répète ça la prière là après moi. De papa, dans le nom de Jésus, maintenant merci. L'occasion de me permettre moi ce soir dans tes paroles. Jésus, me reconnaître qui m'obéit à toi. Seigneur, me crois qui te m'aime grâce au bon Dieu. De venir dans la terre
de me prendre forme, un humain, et de m'allouer la croix pour moi, dans vos places. L'eau la croix, de me prendre tous mes péchés, tous mes erreurs, toutes mes pauvretés, toutes mes malédictions, toutes mes dettes, et de me donner moi en retour de la vie. Une la vie supérieure en qualité, débordante en quantité. Donne offert à moi une la vie remplie de bénédiction. Jésus, recevoir-toi, m'accepter-toi comme le sauveur de mon âme, comme le Seigneur de ma la vie. Viens habite dans mon cœur, porte au Saint-Esprit. Merci Seigneur, donne-toi ma la vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Je me rappelle les autres qui. Mercredi à 10h, nous venons en esprit à Beaubassin. Jeudi, soir, 7h15, venons en esprit à Goodlands. Et dimanche, à 9h, culte de louange d'adoration à Goodlands. Amen. N'hésitez pas à venir nous témoignage pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, les bénisseurs, profite. Après une grâce, c'est qui le Seigneur de Dieu. Et vive le conflit, vive l'ami de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Salut, bénis-vous.